Quelle est la meilleure position pour tomber enceinte? Bonjour et soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée aux parents et aux futurs parents, ceux qui aimeraient bien le devenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexandra Taclé, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007, éducatrice de jeunes enfants et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales. Et j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour vous aider, vous, mesdames. Quelle est la meilleure position au lit avec votre partenaire pour tomber enceinte? Lorsqu'on désire un enfant, on se renseigne sur tout. On va à la pêche aux infos. Quel est le meilleur moment pour tomber enceinte? Quelle est la meilleure position? Etc, etc, etc. Je vous comprends car je suis passée par là. Mais alors, dans cette recherche du Graal, qu'est-ce qu'on loupe, nous, en tant que femmes? À force de vouloir et de vouloir cet enfant, vous allez tellement à la pêche aux infos que vous oubliez le principal, vous oubliez l'essentiel. En fait, l'essentiel. Il n'y a pas réellement de meilleure ou de bonne ou mauvaise position pour concevoir un enfant. Je pense que le meilleur moyen de concevoir un enfant est de faire l'amour avec le cœur. Il faut entendre et savoir que certaines femmes sont capables d'ovuler spontanément lors d'un cycle, ça peut arriver lorsque vous avez un nouveau partenaire, mais même avec votre partenaire actuel, chaque femme est capable d'ovuler spontanément suite à des émotions fortes. Donc arrêtez de vous renseigner à savoir quelle position vous allez devoir mettre en place pour une pénétration plus ou moins profonde, etc., etc., en fonction de votre utérus rétroversé. Je suis passée par là, donc je sais ce que vous vivez. Mais arrêtez tout ça, vraiment, et faites l'amour avec le cœur. Et faites l'amour avec des jeux sexuels, des jeux de séduction, des émotions, voilà. Ne faites pas l'amour avec votre corps, faites l'amour avec votre cœur et avec vos émotions. Et à ce moment-là, vous allez débloquer beaucoup de barrières, des barrières auxquelles vous n'y avez pas pensé. Je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, si elle vous plaît. Et surtout à vous y abonner. Donc, retenez bien, mesdames, arrêtez de chercher le pourquoi du comment vous n'arrivez pas à tomber enceinte, mais vivez pleinement les choses de la vie, les petits plaisirs de la vie. Et je vous dis ciao, ciao les amis.